Bonjour à tous et à toutes, je suis Lucie, bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights 2. Oui, la dernière fois, on a tourné en rond, beaucoup tourné en rond, pour savoir où je devais aller, et vu qu'on arrive sur la fin du jeu, c'est assez compliqué de savoir où est-ce que je dois me trouver. Il a fallu aller dans cet endroit, l'ancienne vallée, parler à une grosse tête, puis revenir ici, détruire le cœur pour le libérer. Et maintenant que c'est fait, on va continuer. Alors sachant que là, il se peut que je tourne en rond pour savoir où je dois aller. Donc, je vais me retrouver avec des gros rushs. Donc, j'essaierai d'expliquer ça quand il se passera des trucs. Et surtout, j'espère qu'il n'y aura plus aucun problème avec les enregistrements, puisque mon petit logiciel a eu des superbes mises à jour qui fait que, gros décalage de son, d'image de jeu et d'image de micro, enfin de son micro, ce qui fait que j'ai dû tout me démerder et attendre qu'il fasse un patch. C'est trop bien. Du coup, on a tué le dragon qui nous a donné plein d'informations et maintenant, je vais chercher quoi faire. Et ça va être marrant. Hein, j'adore quand c'est marrant. Donc je sors de la zone et puis je vais voir s'il y a un truc qui a changé sur la map. Puis on verra bien. Alors, qu'avons-nous qui a changé? Les runes. Ah, les runes d'Arvan. Ah, ça c'est nouveau ça. Bien, alors, j'ai dû regarder Nessolus, bien sûr, parce que c'est très compliqué. Je vous l'ai dit que ça c'était très compliqué. Ce qui fait que, pour la suite des événements, je dois changer de personne et me mettre avec un Manjiro. Je vérifie que. Non, faut que j'enlève quelqu'un d'autre. Bishop, il gagne. Faut que je garde ce Yair et Yamanjiro. Et que je me rende du coup aux ruines d'Arvan. C'était le plan depuis le départ. Puisqu'en fait, il faut que je retourne dans ces ruines pour ouvrir un portail pour la suite des événements. Sachez qu'actuellement, si je me fie à ce que je vois, je ne suis vraiment pas très loin de la fin. Il doit me rester genre peut-être 4 heures, 5 heures à faire et c'est terminé. Mais c'est vraiment là, la fin du jeu est très compliquée. Dans le 1, j'ai pas eu autant de difficultés et dans le 2, là, c'est un petit peu dur. Les arbres, au secours. Alors, normalement, c'est ici, bien. Attends deux secondes. Alors, on va déjà faire une sauvegarde, nouvelle sauvegarde, bien sûr. Et ensuite, je vais aviser, tout simplement. Là actuellement j'avise, hein. Je ne sais pas ce qui m'attend. J'ai peur. Ok. Bon. Du coup ça c'est bon. La fin des terres constée de puissance qu'on a. Ok. Évidemment, allons-y, bagarre. Allez, bagarre, fais-moi peur. Oula. La terre sera marquée à l'endroit où l'épée fut brisée. C'est là que nous devons aller si nous voulons reforger la lame de Guit.
La lame de Git est plus qu'un assemblage. Quand vous rassemblerez les fragments, c'est votre volonté qui les réunira. Rien d'autre. Je puis vous guider, vous aider à vous concentrer, Kalacha. Mais ce n'est pas aisé, et les dangers n'auront rien de physique. Les raisons sont jumelles. La blessure de la terre, votre village, porte encore de la force de la lame. Mais la blessure se trouve aussi dans le domaine du roi des ombres. En reforgeant la lame dans un tel lieu, vous donnerez à l'épée de Git le goût de notre ennemi. Et quand l'épée de Git a goûté à l'essence d'un adversaire, elle ne connaît de repos que lorsqu'il gît au pied de son maître. Ok, et je viens... Wow, je me fais attaquer, Quoi? Quoi? Non, je me suis pas fait attaquer. Alors, journal de quête. Alors, le temps presse, oui. Non, la note. Ok, alors. Moi, je suis dans mon ancien village à Port-Nuit, je suis là. Et, waouh. Oui, salut les mecs. Vous êtes morts? Non, si on nous avait prévenu que l'au-delà serait ainsi, ce n'est pas normal. Pourquoi êtes-vous ici? Avant, je ne savais pas. Maintenant, je n'aurais même plus à trouver le puits. Ah. Une ombre? Je ne sais pas s'il y en a d'autres, nous sommes seuls et nous avons tellement froid. Que pouvons-nous faire? Je ne veux pas savoir, il est englouti, mais nous savons par où le traverser. Suis-nous! Vite! Ah oui, c'est vrai, le pont. Ouah! Oh la vache! Ah oui, c'est. Particulier cette histoire. Oh la vache! Wow! C'est devenu des ombres. Nom de Dieu, ça m'a fait un peu peur, j'avoue. Je reconnais. Bon, heureusement que j'ai des personnages un petit peu pétés. Wow! Wow! Ah, par contre, ouais, ça s'est déjà pris des malus. Ah oui, invisibilité suprême, camouflé, je me suis déjà pris masse de trucs, hein, pas ouf. Et je peux pas me reposer ici, ça veut dire que je vais devoir jouer comme ça. Ok. Le pont paraît avoir été englouti par la vase, mais il est peut-être encore possible de traverser à gué. Cette eau est sans doute saturée du poison des terres protestées, nous devons trouver. Comment je... Comment je traverse alors? Je peux pas ma... Ah, attendez, je... Bah non, mais... Comment je traverse? Y a pas un endroit... Y a un tronc d'arbre, là? Mais comment je fais? Je peux toujours pas me reposer. Ah, attends. Ah ah! Tiens. Sans être très solide, pour supporter votre poids avec quelques autres du même acabit, vous pourriez fabriquer un pont de fortune. Ah. Il faut que je trouve des trônes d'arbres. Ok. Il me faut encore deux arbres pour faire un pont. Donc là, ma mission, c'est de trouver des morceaux de bois. Ok. Encore un tronc. Putain, les arbres au secours. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un autre tronc qui traîne quelque part dans la forêt? Putain, je vous ai dit que les arbres, c'était vraiment horrible, là. Ce feuillage tout le temps, très mauvais point. Attention, allô. Où est-ce que je pourrais... 1, 2, 3, oui. Où est-ce que... Où est le dernier?
Ah, ici. Voilà. Si j'ai les compétences requis, quoi ? Il me faut une compétence particulière, c'est une blague. Il me faut une compétence particulière, sinon je vais me faire voir. C'est une blague. Bah, on va tous mourir dans l'eau. Allez, on va tous mourir dans la flotte. Voilà. Bien, allez, allez, allez. Bah non, en fait, on n'est pas mort. Piège déclenché 26. Super, je peux toujours pas me reposer. Alors, on avance. En faisant attention. La balafre. Vous n'êtes pas creux. Ah. Vous n'avez pas essayé de m'emmener aussi. Où penses-tu que je vais t'emmener? Mais tu es l'enfant. Je suis Brandy, je suis le fils de Dégune. Qui sont les hommes creux? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde, j'essaie de trouver maman, mais elle a disparu. Vous voulez m'emmener? Je l'ai senti en voyant. Ok, le jeu. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, le jeu. Ok, les gens sont un petit peu. Ouais. Eh! Hey, oula! Oh! Oh! Bagarre! Bagarre! Il n'y a plus d'ombre. Il n'y a plus d'ombre. Quoique. Ah bah si, il y en a une là. Bon, il n'y a plus d'ombre. Pourquoi il y a autant d'ombre? Je me suis fait avoir par le gamin. Au secours. Le pont brisé, sans deck. Je peux toujours pas me reposer, bien sûr. Suivez-moi. Cet endroit me fait très très peur. C'est un... Oh. Reta? Pourquoi t'es apparu? Pourquoi t'es là? Maman? Ah! Oula! C'est un piège! C'est un piège, gamin! Gamin! Ah, je le savais, c'était une ombre ombre majeure encore une fois. Allez. Oula, oula, un peu plus de vie celle-là. Non. Vince, reviens ici. C'est bon. Nom de Dieu. Quelle horreur. Qu'est-ce que j'ai pris là? Niveau absorbé. Ah oui, j'ai pris tous les malus du monde en fait là. J'ai bien pris tous les malus du monde. Oh la vache, quel endroit horrible. Horrible, horrible, horrible. Nous y sommes. C'est le bon endroit, je le sens. La cicatrice est prête. C'est ici que j'ai frappé le roi des ombres. Et que la lame... C'est brisé. C'est ici qu'il nous faut faire renaître la lame et fermer la blessure. Sans vous et votre concentration, c'est inutile. Votre volonté est suffisante. Vous devez avoir l'esprit clair, concentré. Vos pensées, votre cœur seront le fourneau dans lequel la lame sera reforgée. Très bien. Asseyez-vous. Écoutez ma voix. Étreignez la garde et fermez les yeux. N'écoutez pas que mes paroles, mais leur sens profond.
La volonté de Zertimon, la mienne, la vôtre, ne doivent faire qu'une. Et par la main qui guide l'épée. C'est votre volonté qui a fait renaître la lame. Je n'ai fait que vous guider. C'est votre volonté qui donne vie à l'épée. Vous ne portez plus son cœur. Désormais, vous êtes son cœur. Si nous avions plus de fragments, cela semblerait plus complet. Mais cela suffit pour ce que nous avons à faire. Je ne sais pas si vous êtes encore Kalacha. La lame était en vous. Maintenant, vous la portez. Et que vais-je faire de mes titres à présent? Mais est-ce... Attendez. Quelque chose... Alors, porte en fragment. Ça fait quoi de revenir chez soi? Deux secondes que je vois déjà parce que j'ai une nouvelle épée, évidemment j'ai l'épée vous avez reforgé la lame d'argent, très bien. Est-ce que je l'ai dans mon inventaire 100% que oui la griffe du voleur de nuit, j'ai ça moi. Ouais électricité, combien plus 2, bah tiens, je peux pas là, bah non, rapière plus 3. Mais j'ai des trucs débiles, moi, en fait. Ah bah non, lame d'argent de Git. Ah ah. Alors, voyons, un des 8, 18, 19 x 2. Effet spécial. Ah oui, sanglante. 18 bonus dégâts. Bonus d'altération, liberté de mort, résistance. Incroyable. Alors, très bien. Maintenant, on va mettre des strats, sachant que je ne suis pas du tout à mon meilleur niveau. Moi-même. Je vais attaquer le ravageur des longs. Toi, tu vas t'occuper du golem des lames. Toi, je sais pas. Toi, tu vas faire un mur de feu sur lui. Et ensuite, je te fais confiance. Je fais confiance à tout le monde. Là, je fais confiance à tout le monde actuellement. Eh ben, déjà elle est morte, super. Pause de son. Toi, ici. Et moi je continue d'attaquer. En fait, il va falloir que je refasse le même combat, mais en ne jouant que Kara, je pense. Et actuellement, c'est ce qui est en train de se passer, ouais. Il va falloir jouer que Kara. Bingo. Alors, charger la partie. Commencer par sauvegarder la partie. Non, on revient ici, on va là. Et le but, ça va être comme les précédentes strats, c'est-à-dire je fais que bouger avec Kara, je lance un sort, je bouge, je lance un sort, je bouge. Bon, j'ai déjà un peu plus de personnes là. J'ai presque réussi à tout. Bah, sauf Kara qui est remorte parce que Kara est une débile.
Bon, c'est pas grave. Bon, alors. Moi, je suis où? Je suis là. Un Monjiro, tiens. Non mais, je n'ai... Pourquoi? Ah, parce qu'il est mort, ok. Tac. 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 Voilà. Ensuite, suivant lui. Et ensuite, il reste les ombres. Voilà, ensuite les ombres. Hop là, voilà. Chacun se prend une ombre. Bon, attends, Amanjiro, il a quoi lui? Mur de feu, ouais. Alors, c'était pas. Voilà, contre lui plutôt. Tu peux voir tes sorts toi, sinon? T'as pas des sorts d'attaque, toi? Il a pas de sort d'attaque. Bon, bah, il va se débrouiller tout seul. Hein. Moi, je suis là. Reste qui là? Il reste plus que lui. Bon, alors toi, quand est-ce que tu meurs? Attends, c'est pas dans ce... Activé sur le ravageur. Voilà. Ben voilà. C'est fini. Il faut partir. Nous ne pouvons pas rester plus longtemps dans les terres contestées. Les ténèbres masquent bien des vérités, même à elles-mêmes. Cela suffira. Vous l'avez prouvé aujourd'hui. Vous êtes notre arme contre les ténèbres qui avancent, et maintenant les paix. Oh là là. Vous êtes notre arme contre... Vous êtes notre arme contre les ténèbres qui avancent. Et maintenant, l'épée reflète ce chemin. Vous avez voyagé loin, Kalacha. Et bientôt, le roi des ombres sera sur vous. Eh bien, très bien. Leur pouvoir grandit avec les terres contestées. Cette mort leur servira de leçon. Et ils prendront des mesures à l'avenir. Il nous faut trouver le reste et les détruire au plus vite, avant qu'ils réalisent ce qui leur arrive. Avant, le temps était leur allié. Mais avec la lame reforgée, ils seront contraints d'agir plus vite qu'ils l'avaient pensé. Et combattre plus férocement que jamais. Très bien.
Notre chemin attend. Et bah, c'était compliqué cette histoire. Est-ce que je peux me... Je peux toujours pas me soigner, j'en ai marre. Bon, alors déjà, je vais vous révéler maintenant comment faire ce petit tour de magie. Sachez que la console de commande en France, pour notre version, est différente de celle américaine. C'est-à-dire que pour la France, il faut appuyer sur Alt-Gr7 et Alt-Gr8. Ça ouvre la commande. Vous mettez donc la commande, bon là je vais l'enlever, la commande debug mode 0 espace 1. Et ensuite, à partir de ce moment-là, vous pouvez faire plein de choses. Moi, j'enlève tout. Et ensuite, vous rappuyez pour enlever la commande, vous rappuyez sur Alt-Gr7 et vous appuyez sur Échappe et c'est tout bon. Et là, normalement, quasiment tout s'est barré. Bon, alors, on voit des spots, on voit des trucs, des machins, des apparitions, etc. En vrai, ça n'est pas très utile. Et quand je vais relancer la partie, de toute façon, ça disparaîtra. Alors, je vous avoue que là, j'ai plus envie de faire une petite pause. Ça fait une heure et j'avance pas du tout pour le moment. Du coup, je vais... Oula. Alors oui, j'ai déjà enlevé ça. On peut voir que c'est en 3D d'ailleurs, les pièges. C'est beau. Échec. Non mais il n'y a pas d'échec. On va retourner vers l'urne du gardien, où je pourrais me soigner. Et où tout ce truc n'aura jamais eu lieu. Voilà. Alors, repos, déjà. Et j'ai énormément de malus, alors qu'elle est là, plein d'immunité, trop bien. Je vais faire une sauvegarde ici, je vais couper mon enregistrement ici, et je vous retrouve dans 2 secondes. Allez, 2 petites secondes.